Salut, si tu es fan de Clash of Clans ou de Clash Royale et que tu veux un maximum de live et de gameplay, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher un gros pouce bleu. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans sur le nouveau village. Et comme hier, je vous sors une vidéo sur les prochaines troupes. Comme hier, j'ai fait la sorcière de nuit. J'ai demandé tous vos avis. J'ai demandé euh, ce que vous voulez comme troupe. Ensuite, et vous m'avez tous dit le super PK. Donc vous voyez le super PK qui fait 200 de dommages par seconde et qui a 3000 points de vie. Donc je reste toujours, euh, je reste toujours prudent sur ça. Je ne vais pas dire que c'est officiel, etc. Ça coûterait 1,6 million d'élixir. Pour le passer au niveau 2, il aurait un pouvoir qui s'appellerait la surcharge et qui ferait, euh, qui ferait un dommage de 400 à chaque fois qu'il meurt, en fait. Et à chaque level, comme vous voyez, il gagne un peu, un peu plus de, de pouvoir sur, son, sur sa surcharge, etc. Il gagne des points de vie, il gagne des do dommages par seconde, donc 22 au niveau 5. Euh, encore le pouvoir qui est augmenté au level 6. On va voir combien il a de level, apparemment, sur ce deuxième... Ce deuxième village là on aurait vraiment énormément de level Autre plus que sur le village principal Donc il y aurait moyen peut-être que le village principal Prenne aussi des levels euh, en plus Par la suite, comme vous voyez donc encore au level 9 Il prend 399 points de vie Je trouve ça vraiment assez énorme Je pense vraiment qu'il va y avoir une grosse grosse mise à jour Avec ce super pk on pourra pas le débloquer avant euh, L'hôtel de ville, de enfin le, la maison des ouvriers De niveau euh, 6, 7 ou 8 Parce qu'apparemment il, il y aurait la maison des ouvriers De niveau 6, 7 et 8 Qui sortirait très prochainement et comme vous voyez, il euh, y a 13 niveaux. Déjà, on est déjà au 13ème niveau. Donc il y aurait peut-être comme la sorcière de nuit. 15 niveaux ou 16 niveaux. Je ne sais pas du tout. J'ai pas encore regardé la vidéo. À ce moment-là, j'enregistre. Au moment où je vous parle, j'enregistre et j'ai pas encore regardé la vidéo sur le Super PK. Donc je découvre en même temps que vous encore des points de vie, etc. Donc il serait vraiment énorme au niveau point de vie. Donc je pense qu'il y aurait une énorme défense qui sortirait en même temps que ça. Une sorte de tour de l'enfer ou n'importe quoi qui irait sur le deuxième village. comme vous voyez, il aurait 16 niveaux. Euh, sur cette troupe-là, il y aurait 16 niveaux. Déjà, la première amélioration serait 1,6 million d'élixirs. Donc, ça veut dire que les réserves risquent d'être pas mal boostées. Et peut-être un mode farm qui arriverait. Comme vous voyez, le design de ce PK-là, je vous ai toujours flouté euh, les noms. Comme vous le savez, parce que ça vient d'une autre chaîne YouTube. Et je vous ai dit, j'ai pas envie qu'il ait de problèmes, j'ai pas envie qu'il soit strike, etc. Donc, je prends le risque pour moi. Et comme vous voyez, le PK qui tape. Regardez les dégâts qu'une tour d'archives lui fait. Donc, comme vous voyez, en fait, il attaque sur la, une maison des ouvriers de niveau 3. Euh, avec un super pk ça sera pas euh, débloqué à ce niveau là c'est sûr et certain il a, au niveau vie par contre il prend quand même vraiment assez cher euh, avec la tesla qui est sortie je sais pas si la tesla fait encore 1,5% euh point de vie, enfin, euh, euh, les dégâts multipliés par 1,5, je sais pas du tout sur ce deuxième village, mais en tout cas ça a fait vraiment mal mais on voit que le PK fait vraiment énormément de dégâts en un coup il détruit les bâtiments, et comme vous voyez là vous allez voir son super pouvoir, et voilà son super pouvoir les amis c'est qu'à la fin de sa vie, il explose complètement, et il fait 600 ou 400 dommages par seconde si je me rappelle bien euh, de dommages avant de mourir, donc c'est vraiment énorme, donc voilà les amis vous avez découvert le super PK, j'espère que ça vous a vraiment vraiment plu, euh, je me suis un peu cassé la tête pour chercher tout ça, donc la prochaine troupe, n'hésitez pas à me le dire. Choisissez quelle troupe ou quel bâtiment vous voulez découvrir. Et je vous chercherai ça les amis. Je vous ferai le montage, etc. Et je vous ferai découvrir cette prochaine troupe qui sortira prochainement sur Clash of Clans. En attendant les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à partager. Et lâchez un gros pouce bleu. Salut <music>